Je vous laisse prendre ce que vous voulez. Ok, très bien. Bonjour, vous aimeriez avoir un plat de toasté. Une toasté? Oui, relish, moutarde et chou. Madame Filiatro, merci d'être à deux estimés. Ça m'a fait plaisir, ça m'a rappelé des souvenirs. Des souvenirs de? Ben, quand j'étais plus jeune, je faisais du cabaret. Souvent, en tant que spectateur, qu'on venait manger ici. À l'époque où c'était en face? Oui. Je vais faire un petit chin avec vous. Oui. Pour deux estimés. Vous, vous le mangez toasté? Ben oui, c'est meilleur. Comment ça? Ben, ça n'a pas de goût, ça. Ça n'a aucun goût, c'est pas mon fait. Ben, ça goûte la saucisse. Ben oui, mais à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de pain. J'ai vu que vous aviez un compte Twitter. Est-ce que c'est vous ou il y a quelqu'un qui a parti un compte pour vous? Il y a quelqu'un qui a parti un compte pour moi. Moi, je m'en suis servi pendant 15 jours. J'adorais ça, mais j'ai pas le temps. Donc, Denise Filiatro a été sur Twitter. C'est incroyable. Vous, s'il y a des nouvelles choses qui sortent, vous êtes au courant. Oui, oui. Mais il faut. C'est pour ça que je suis encore là. Mais là, j'ai envie de me remettre sur Twitter pour gueuler contre Hernandez. Que je jaillis, que je peux pas supporter, que je trouve fort et prétentieux. Le maire du plateau. Ouais. Hey, je suis né, moi, sur le plateau. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Non. Ben, il était en train... Ben, je suis pas la seule. Tout le monde le dit, sauf peut-être deux, trois résidents de la rue Christophe Colomb. Mais c'est monstrueux. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Ben, c'est ignorant d'avoir... Ben, de choquer, monsieur, vous le savez. Je sais, mais je vais vous le faire dire. Non, non. C'est mon travail. Oui, là, vous avez raison. Ce qui choque, c'est ce qui choque tout le monde. Il a mis le plateau sans dessus-dessous avec cette circulation. Vous êtes né sur le plateau. Le plateau, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Moi, j'habite dans Chicago-Maisonneuve, justement, pour vivre ce que j'appelle les vrais gens. Je vais à taverne. Il y en a plus sur le plateau Montréal. Les tavernes, on les a fermées. On a fait des bars branchés, les restaurants. Ouais. Ben oui, c'est bien. Il n'y a pas de raison pour faire une mauvaise circulation. Pas de raison pour faire chier le monde. Ben, je pense que si Denise Filiatro parle, la politique, peut-être. Ben, c'est ce que Jean Charest, quand je rencontre des fois dans des dîners, me dit « Moi, je veux que vous entriez en politique. Je ne demandais pas ça, ce serait trop effrayant. » Oui, mais ben, il faudrait savoir après si vous allez vous présenter pour Jean Charest ou contre lui. J'ai trop de gueule. C'est ça. Au PQ, je pense qu'il y a besoin d'aide. Je vous verrai mettre du ménage là-dedans. Non, non, mais je ne suis pas assez diplomate pour faire de la politique. Ben justement, on aurait peut-être besoin de ça. Ça marcherait de même, puis de même. Oui, ben, mais je suis trop mauvaise. Pour vrai? Je trouve pas, moi. Non? C'est comme une carapace, c'est comme un style que vous donnez. Vous êtes... Non, je me donne pas de style. Je dis ce que je pense, puis c'est sincère, et je vais... Mais tu peux pas... C'est peut-être une leçon de durée aussi, être vrai, puis être sincère. Peut-être. Rappelez-moi, là, je vais m'occuper de vous en politique, moi. Ah ouais. Denise Filiatro, partir même parti, s'il faut. Le go de la chenoute, Filiatro, ça rime en plus. Question du public? Ouais. Car le public veut savoir. De Pascal Harard, j'espère que je prononce bien votre nom. Qu'est-ce que vous pensez de la relève? Est-ce que vous lisez Urbania? Nous, on est à Urbania. C'est une revue jeune, branchée. Non. Je vais être très honnête avec vous. Je ne connaissais pas. À partir d'aujourd'hui, je vais vous la donner. OK. Vous n'aurez pas le choix. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, vous relaxer? Et surtout, est-ce que c'est possible? Question de Laurent Lassalle. Oui. Après 6 heures du soir, je m'installe devant ma télé et je... Je pitonne. Et vous trouvez de quoi de bon? Ben, je regarde... Oui. Je regarde beaucoup d'émissions d'information d'abord. Des émissions françaises ensuite. Et je reviens aux informations, toutes les informations de toutes les chaînes. Et ça me détend. Puis à 9h, je m'endors dessus et je vais me coucher. Donc vous, votre relaxation, c'est quasiment le travail? Ben non, non, pas vrai. Non, si je regarde un film, je travaille pas, je me détends, puis j'aime ça, puis j'y prends goût. Oui, mais je vous vois devant le film dire « Ah, moi, j'aurais pas fait non, ça non, comme non, ça. » Non, 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 jamais. Non. Même Woody, ah, oh, là, son plan, là, je suis pas sûr. Non, 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 non. Vous vous laissez aller des fois? Ben oui, tout le temps. T'as pas meilleur public que moi, un spectacle. Pour vrai? Non, oui. Si je veux vous engager. Faire quoi? La mise en scène. De quoi? Est-ce que vous êtes inabordable ou de c'est quoi? Possible? Théâtre, danse contemporaine. Ben non, danse contemporaine, c'est pas mon métier. Je fais pourquoi quelques pas, petites chorégraphies, non, j'en fais. Mais faut laisser ça aux experts. Ceux dont c'est le métier, ils ont assez de misère à arriver. Puis à vivre, enlever leur pas leur job. Vraiment, vous avez été, toute votre vie, vous avez été
Denise veut ça, je fais ça. Oui. Vous avez mis en scène votre vie comme vous vouliez? Des fois, oui. Des fois, je me suis trompée, comme tout le monde. Mais je l'ai endossé, je l'ai accepté. C'est de ma faute, pas ma faute, pas ma très grande faute. Mais qui est-ce qui fait pas d'erreur? Moi. Ah, ben, vous êtes bien chanceux. C'est pas vrai. Merci, Denise. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que je vous souhaite? La santé. La santé? Je vous souhaite la santé et le bonheur. Vous êtes heureuse, vous? Oui, très. Merci. Vous me le dites sincèrement? Ah, oui.